Bonjour à tous, les amis, on se retrouve avec la figurine de Johnny des collections Altaze 2006 Flashback, figurine numéro 38. Alors, on attendait bien sûr tous une figurine du concert de la Cigale. La figurine, le costume il est bien. Il manque quelques petits détails ici, là, enfin sur la chemise, deux, trois petites choses, mais le costume il est bien réussi. Ce qui me gêne un peu, il faut que je vérifie. Mais il me semble qu'il a fait quasiment tout le concert avec une guitare noire, une grosse guitare noire. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas plutôt parti sur la tournée 2007 où Johnny cassait une guitare quasiment tous les soirs sur le bon temps du rock'n'roll et où il a eu beaucoup de guitares électriques. Seulement en dessous, il avait un t-shirt quand il a repris le costume de la Cigale pour la deuxième partie de la tournée 2007. Et là, il n'y a pas de t-shirt, donc on serait vraiment sur le costume de la Cigale. Mais faut donc, dites-moi dans les commentaires si vous rappelez s'il avait la grosse guitare noire tout le long ou s'il a eu des guitares électriques bleues là pendant les 4 jours des concerts à la Cigale. Voilà, bon après, la tête, honnêtement, moi je la trouve quand même pas terrible. On a même du mal à reconnaître le visage de Johnny. C'est pas la coiffure ou quoi qui choque, c'est ni même le bouc, mais oh, la tête, c'est pas. C'est pas la plus belle, quoi. Hein. Voilà, bon. Pour le moment, de toute façon, tant que j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas fait de retouches sur la figurine. En plus de ça, plusieurs personnes m'ont demandé de les présenter sans, avant de les avoir repeintes, puisqu'ils veulent voir à quoi elles ressemblent exactement quand ils les achètent. Donc, on verra et on fera comme j'ai fait pour la précédente, de la peindre après et de vous montrer le résultat ensuite. Là, le livre traite de l'année 1989, le phénix renaît, l'année de tous les défis pour Johnny. Donc, comme d'hab. C'était une année bien sympa pour Johnny avec la première tournée des Enfoirés, l'album Cadillac avec Étienne Rodagil. Voilà. Alors, pour revenir à la figurine précédente, j'ai donc mis du rouge au milieu de ces trucs dorés là, des losanges, et j'ai refait un petit peu les décors qu'il y avait, c'est tout, pas grand chose à y faire, elle était déjà bien sympathique comme ça, mais bon, niveau tête c'était quand même mieux que celle qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. On se retrouve très vite avec la prochaine figurine de la collection Altaze, nos amis Johnny. Je vous dis à bientôt, merci. Merci à tous.